nouvelle, c'était donc connaître la guérison par le dévoilement des lettres hébraïques. Vous savez, voilà déjà un thème, donc on est le 30 octobre et il est 21h et nous commençons. Donc comprendre la guérison à travers le secret des lettres hébraïques. Vous savez tous que l'hébreu, l'alphabet hébraïque, les valeurs des lettres, on l'a dit un milliard de fois, mais quand même, on le répète constamment parce que c'est tellement vrai, c'est tellement certain que chaque lettre contient une force indescriptible. J'allais dire la totalité de la divinité dans chaque force, dans chaque lettre. Chaque lettre contient la présence de Dieu. Vous imaginez lorsque vous créez un mot, vous imaginez maintenant la force qui se dégage lorsque vous créez littéralement plus qu'une lettre, mais le mot et la phrase. Vous imaginez la puissance de Dieu qui se trouve à l'intérieur de la Torah, à l'intérieur même des évangiles, puisque les évangiles ne sont autres que la présence même du Mashiach sur cette terre. Donc, nous avons déjà dans les temps précédents parlé sur les sept fêtes de l'Éternel. Il y a une fête de l'Éternel qui vraiment est très intéressante, bien qu'elle le soit toute. Quand je dis très intéressante, je ne veux pas dire que les autres le sont moins, mais il y en a une très particulière d'ailleurs, qui s'appelle la fête de Kippour. Kippour qui signifie donc recouvrir, couvrir. On a traduit ça par le pardon, le grand pardon, Yom Kippour. En général, c'est le jour où l'on couvre, littéralement. Et ce Kippour, évidemment, s'écrit avec une racine hébraïque de trois consonnes, comme ce l'est en général, puisqu'en hébreu, la majorité des racines hébraïques sont de trois consonnes, rarement de deux, parfois de quatre, mais trois quasiment tout le temps. Et cette fête de Kippour, elle se dévoile non seulement à travers la valeur du mot lui-même, couvrir, puisque le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle, comment on appelle ça, l'arche de l'Alliance, voilà, l'arche, on perd ses mots français, hein, à force de le dire, mais le Aaron qui se trouve dans le Saint des Saints, lui, ce couvercle s'appelle le Kaporet, et ce Kaporet, c'est un mot qui, lui, est construit sur ces trois lettres hébraïques qui signifient donc pardonner. Pourquoi je commence comme ça sur la guérison? Parce que, justement, nous avons le Kippour, et que ce Kippour, ces trois lettres, c'est le Kaf, le Pe et le Resh. Et que les trois lettres ont un sens particulier pour cette fête, puisque le Kaf représente la main, c'est-à-dire ce que ma main a fait. Le P représente la bouche, ça veut dire une bouche, c'est ce que ma bouche a dit. Et le Resh, c'est la tête, Roche, Resh, la tête de Reshit, le commencement, là où tout commence, eh bien représente donc ce que je pense. Autrement dit, nous constatons dès le départ qu'il y a dans les mots hébreux et dans les lettres un sens au mot lui-même. Ce serait absolument extraordinaire, et peut-être que certains l'ont fait, je ne sais pas, mais qu'on en étudie chaque mot et chaque lettre pour comprendre cette valeur du mot à travers la lettre hébraïque. Ainsi, le Yom Kippour, c'est ce que ma main a fait, ce que ma bouche a dit, et ce que j'ai pensé. Et lorsque je viens le jour du Yom Kippour, eh bien, lorsque je demande à Dieu le pardon, je lui demande de me pardonner ce que ma main a fait, de mal évidemment, ce que ma bouche aurait pu dire qui n'était pas à sa gloire, et ce que ma tête, les pensées ont fait, ont produit. Ainsi, on constate que le mot lui-même est un mot qui contient dans la lettre hébraïque le sens profond du sens donc de pardonner, de couvrir. Nous avons donc dans le texte hébreu, au sujet de la guérison, mais alors un mot absolument formidable, qui lui signifie guérir. On dit en hébreu, le mot guérir se dit rapho, dans la racine première du mot. Vous allez constater que
Le mot grapho est très intéressant parce que ces lettres, les trois consonnes qui forment ce mot, lorsque je les ai lues, m'ont surpris immédiatement. Je me suis dit, mais c'est absolument fabuleux. Grapho commence par un resh, et qui veut dire la tête, le p qui veut dire la bouche, et puis le halef qui est l'unité fondamentale, le maître, celui qui contrôle le monde, l'unité fondamentale divine, ce qu'on appellera dans le premier jour de la création, la valeur de un echad. Ainsi, nous avons une lecture absolument fantastique, c'est que guérir commence toujours par la tête, puis par la bouche, pour enfin arriver à réunir l'ensemble dans l'unité fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Vous savez que beaucoup de gens ont, lorsqu'ils ont un problème, soit qu'ils se trouvent en face d'un malade, soit qu'eux-mêmes soient malades. Et nous avons un cas actuellement ici en Belgique où nous sommes en train de travailler avec mon épouse pour un couple, pour un homme qui est très très malade et qui était un très grand incrédule. Son épouse s'accroche de toutes ses forces. Où elle s'accroche? D'abord, on lui apprend à croire, à penser ce que Dieu dit. Il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ce n'est pas seulement la bouche qui parle, mais d'abord il faut le penser. C'est pourquoi le mot « rapho » commence par un « resh », c'est-à-dire « ce que je pense ». Lorsque nous allons vers une personne qui est malade, d'abord, qu'est-ce que nous pensons? Et puis, qu'est-ce qu'elle, elle pense? Si d'office, elle se dit « de toute façon, moi, dans l'état où je suis, il n'y a rien à faire pour moi », la finalité, ce sera peut-être même la mort, ma tête en est déterminée, je vous dis qu'il sera extrêmement compliqué pour cette personne de s'approcher et de croire, parce que la tête ne fonctionne pas. Il faut que la tête, nos pensées, soient unies avec la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle de rapho, on parle premièrement de la nature de Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, et cela est uni dans l'essence fondamentale, j'allais dire dans la matrice fondamentale qui crée toute chose. Lorsque le Mashiach va aller vers les malades, et d'ailleurs la Bible nous parle de cela, et elle nous dit que dans l'évangile de Matthieu, il nous parle de lui en disant, il partait, il marchait, il allait en Israël et il guérissait les malades. Que faisait donc le Mashiach? Premièrement, vous allez remarquer une chose sur sa personne. Le Mashiach, Yeshua, il a une pensée absolument, mais extraordinaire, qui est fondée, construite, mais totalement construite, sur ce que dit le Père. Il dira, moi je ne fais que ce que je vois faire au Père. Autrement dit, lorsqu'il va vers un malade, qu'il lui impose les mains, lorsqu'il lui parle, en fait, il ne fait que ce que fait le Père. C'est-à-dire que sa tête est complètement liée avec l'idée du ciel, avec l'idée de la matrice créatrice du Père. Fondamentalement, il sait que en étant attaché à cette matrice céleste, au niveau de la pensée, il sait que maintenant il va pouvoir prononcer la parole. Parce que nous n'oublions jamais que le début de la création commence par une pensée, le Réchit, c'est ce qu'on vous appelait donc le Bereshit, le premier mot de la Torah. Pourquoi ce mot est tellement extraordinaire en lui-même, que lorsque le Mashiach va partir et qu'il va commencer d'aller vers les malades et faire tout son ministère d'ailleurs, mais si on parle spécifiquement de guérison, il va aller avec la pensée du commencement. Ce que le Père fondamentalement avait conçu, c'est cela qui va, j'allais dire,
Le mot n'est pas très bon, mais qui va motiver un milliard de fois le Mashiach. Yeshua, il sait, il dit, je ne fais que ce que j'entends, que ce que je vois faire. Autrement, ma tête est complètement liée avec la pensée divine. C'est pourquoi, le mot Rapho commence par un resh, qui est la tête. Beaucoup de croyants, de chrétiens, ont des grands problèmes lorsqu'ils vont pour prier pour les malades. Certains même ne le font pas du tout. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur, ils doutent, ils se disent, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que le malade sera guéri? Mes amis, il faut d'abord ajuster la tête avec la pensée fondamentale. Si nous sommes dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, jamais nous n'allons aller. Moi, je vais vous parler de mon témoignage, parce que je crois que c'est toujours plus simple de parler de son témoignage. On peut parler des autres, mais il n'y a rien de tel que de parler de soi. Avant que je sois parti pendant des années sur l'Afrique, mon désir était de partir là-bas et de prier pour les malades. Mais je me disais, mais est-ce que ces malades seront guéris? Alors j'ai fait un acte de foi, et je fermais souvent les yeux, et je remplissais ma tête. Je forçais ma tête, j'appliquais mes pensées et je les collais littéralement à la pensée divine. Mais quand vous lirez mon livre, vous allez entendre, j'explique ça. Et je me fixais cette pensée en me disant, et en voyant par la foi, dans l'invisible, je voyais les aveugles voir, les sourds entendre, les boiteux marcher. Je leur imposais les mains par la foi. Et lorsque la chose s'est produite et que je me suis retrouvé là-bas, là, si vous voulez, j'avais déjà construit dans la tête tout le processus du commencement. Il n'y a aucun moyen de pouvoir produire cette puissance de guérison et de miracle si dès le départ notre tête n'est pas connectée avec le ciel. Il faut que cette matrice créatrice céleste soit totalement connectée avec notre tête. C'est pourquoi le mot Rapho commence par un resh. C'est la tête. Rapho veut dire guérir. Rapho, guérir, la tête, premièrement la tête. Il faut que tu penses, il faut que tu saches que le commencement, c'est toujours ici que ça se passe. C'est pas unique, parce que vous savez ce qui se produit, je vais vous dire une grande vérité, et vous allez le remarquer d'ailleurs. Certains prient pour les malades, et sont tellement dans le doute, mais tellement dans le doute, qu'ils ne savent même pas si ça va se produire. Ils savent même pas si Dieu va faire le miracle ou s'il va faire la guérison. Ils ne savent pas. Alors les prières deviennent longues, 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 longues. Et j'ai remarqué que plus les prières sont longues et longues et longues. Et Seigneur, tu sais que tu as dit, que tu as fait, que tu es mort, que ceci, que cela. Voilà. Alors on rallonge éternellement la prière quasiment, pour retarder le moment où on va dire au malade, lève-toi et marche ou sois guéri. J'ai appris une leçon dans ma vie. J'ai appris une leçon, vraie leçon. Je vous parle d'expérience. Plus les prières sont longues, plus elles sont longues, je crois que moins on a la foi. Lorsque j'étais dans ces pays d'Afrique, la foule était venue. Aucunement le temps de prier pour chaque personne. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous investir de toutes les maladies de la terre. C'est impossible. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est le savoir. Autrement dit, lorsque les foules s'approchaient, lorsque des centaines de gens s'approchaient, je n'avais même pas le temps de réfléchir. Je leur posais les mains, je vous expliquerai ça. Je leur posais les mains, je disais, qu'il te soit fait selon ta foi. Sois guéri. Mes amis, sur une soirée, le Seigneur a permis qu'il y ait une centaine de miracles. Quand je vous parle de miracles, vraiment 10 miracles, où tous les gens ont gardé leur guérison. Mais vous trouverez tout ça dans le livre. Apprendre à connecter notre tête avec le Réchit, c'est-à-dire avec la pensée fondamentale de Dieu, du Père, du Créateur, du monde, de l'univers. La guérison commence par notre tête à nous. Et puis, apprendre aux autres à connecter, à totalement adhérer à ce que Dieu dit. Adhérer,
connecté, c'est ce qu'on appelle émouna, c'est-à-dire la foi. Aussi longtemps que notre tête ne sera pas au point, eh bien ce sera extrêmement compliqué pour ne dire qu'un mot, et que ce mot soit la délivrance. J'aime cette phrase dans les évangiles, « Dis seulement un mot ». Écoutez-moi maintenant, « Dis seulement un mot ». Deuxième lettre de la lettre hébraïque, du mot hébraïque « rapha », c'est le « p » qui veut dire « la bouche ». Si ta tête est au clair, dis seulement un mot et mon fils, ma fille sera guéri. Dis un mot. Jésus lui dit « va ». C'est ce qui s'appelle aller au plus direct. Il n'y a pas plus direct que la ligne droite. On peut rajouter 1 000 paroles, 1 milliard de paroles. Ça ne produira même pas la foi si dans la tête quelque chose n'est pas clair. La parole est le fruit de ce que nous allons penser. C'est ce que nous pensons, c'est ce qui va permettre la parole puissante. Lorsque nous allons vers le malade, lorsque le malade se trouve là, est-ce que nous avons cette capacité de lui dire, s'il nous pose la question, est-ce que nous pouvons lui dire « sois guéri » Point. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Yeshua, le Messie, lorsqu'il parlait aux malades, il ne faisait pas des prières interminables. Il disait un mot, une phrase, « Jeune fille, lève-toi, sois guérie ». Il dit, mais au lépreux, qui dit, mais si tu veux être guéri, il lui répond, mais je le veux. C'est tout point. Ça, c'est pas une prière, c'est une parole d'autorité. La bouche, c'est la deuxième chose de la guérison. Première chose, la tête, roche. Rèche. Deuxième chose, le P, la bouche. Il faut que ta tête fonctionne avec la bouche. Et lorsque les deux se mettent ensemble, alors nous constatons que la bouche est liée littéralement avec le ciel. Littéralement liée. C'est pourquoi il est écrit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est écrit dans le Exode 15, 27. Je vais vous lire ce texte, il est très très intéressant. Exode 15, 27. Il dit Ki anori Adonai Rofecha Ki ani Adonai Rofecha. Je suis Adonai Rofecha qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est lui qui parle. Si notre tête est liée à un texte comme celui-là, si notre bouche est capable de parler cette parole, parce qu'elle est liée à la tête au commencement de toute chose, mes amis, nous allons commencer à rentrer dans une dimension absolument extraordinaire. Ce qui va se produire, c'est que nous allons aller dans l'unité fondamentale. C'est pourquoi, lorsque l'on dit « rapha », nous avons la tête, la bouche et le « aleph ». Aleph qui est l'unité, qui est celui qui va englober l'ensemble des choses. Et lorsque le Aleph vient et qu'il se pose, c'est-à-dire lorsque la matrice fondamentale se pose quelque part, lorsque l'on vient et que nous sommes capables de poser, comme si nous la prenions et que nous la posions sur quelqu'un, à travers ce que nous savons de Dieu, ce que nous disons sur la personne, cette matrice fondamentale va se poser, mes amis. Et lorsqu'elle se pose, elle produit la guérison. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu lui-même. Il nous a dit « Allez par tout le monde, prêchez, imposez les mains aux malades, n'ayez pas peur ». Mes amis, écoutez, je vous le dis, n'ayez pas peur. Travaillez à votre foi. Travaillez à votre foi. Travaillez à croire. Travaillez à croire que l'unité, que le projet divin est en vous, avec vous. Vous le savez et vous allez le dire. Et vous allez ainsi déposer, comme si c'était une sorte, oui, de gloire qui se dépose. Et au moment où elle se dépose, le miracle se produit. Et là, Dieu intervient. Parce que lorsque nous sommes dans la matrice fondamentale,
tout est nouveau et c'est là que Dieu guérit. Vous savez, quelqu'un me disait hier, justement, parlant de guérison, il me disait qu'il avait vu dans un bouquin, je ne sais pas, je sais pas comment ils appellent ça, les forces alpha, je ne sais pas quoi, enfin, il me racontait quelque chose un peu étrange, là. Je lui dis non, j'ai entendu parler, mais je ne connais pas, je ne sais pas. Et en fait, après, je suis rentré à la maison, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? En fait, il parle de alpha, mais en fait, il parle de quoi? C'est des gens qui essaient de contacter l'Aleph et passent par des chemins détournés. Et au lieu de passer par le Mashiach, il passe par des systèmes pour trouver cette force fondamentale qui peut guérir. Mes amis, Jésus, Yeshua, a dit « Imposez les mains aux malades ». Il n'a pas dit « Faites du sentimentalisme ». Il n'a pas dit « De prendre sur vous tous les problèmes de tous les malades du monde ». C'est impossible. Impossible. Il l'a fait pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est d'adapter notre tête à ce qu'il dit, notre bouche à ce qu'il dit, et de placer ainsi l'unité fondamentale sur les malades. Moi, je suis quelqu'un de très déterminé à vous encourager et à vous dire, c'est bien d'étudier la Torah, c'est magnifique d'apprendre du Mashiach, mais il faut aujourd'hui que nous soyons de véritables disciples du Mashiach et que nous fassions non seulement ce qu'il dit, mais que nous sachions non seulement ce qu'il dit, mais que nous agissions en fonction de véritables disciples que nous sommes ou que nous disons être. Il faut aujourd'hui passer aux actes. Et comment faire? Eh bien, il ne faut pas craindre. Mes amis, je vous apprends une chose, n'ayez pas peur. Construisez votre foi. L'apôtre Paul dit, construisez votre foi. Construisez votre foi, bâtissez-la et allez et n'ayez aucune crainte. Pensez ce que Dieu pense, adaptez votre pensée à sa pensée, mettez cette pensée dans votre bouche, parlez cette parole et laissez la matrice s'accomplir. Écoutez, comment le monde a-t-il été construit? De la même manière, Dieu a pensé et Vayomer Elohim. Vaïkra Elohim, il a parlé, il a dit, il a parlé, il a crié. Vous avez remarqué que Yeshua, et c'est surprenant d'ailleurs, lorsqu'il va ressusciter cette jeune fille qui est morte, il n'est pas dit qu'il a murmuré, qu'il a chuchoté pendant des heures. La Bible dit, il cria d'une voix forte, Vaïkra Yeshua, Vaïkra Yeshua, il l'appela. On n'appelle pas quelqu'un en murmurant, on appelle en criant. Vaïkra Yeshua, il a crié Yeshua, jeune fille, lève-toi, parce que sa tête et sa bouche fonctionnaient en même temps, et comme il est le commencement de l'univers, et que tout dépend de lui, et qu'il est celui en qui tout existe, et que sans lui rien n'est possible, il le sait, il le sait, il est l'Adam venu sur terre, c'est un thème si extraordinaire, et il va vers le malade, et il lui dit, va, sois guéri. Tu veux quoi? Tu veux voir? Vois, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Je le veux. Est-ce que elle est morte? Tout le monde rigole. Elle dit, mais Yeshua, mais il comprend rien. Et ta Bible nous dit, tous se moquaient de lui. Jésus dit aux incrédules, sortez. Il rentre avec les parents, quelques disciples bien choisis, qui sait à qui il a affaire. Et il dit à la jeune fille, il dit d'une voix forte, va y craindre Yeshua. Lève-toi, jeune fille, lève-toi. Mes amis, il faut. Aujourd'hui, je vous encourage, dans les temps dans lesquels nous sommes, si avancés dans l'histoire du monde, si avancés, de prendre votre courage, d'adapter votre tête à la pensée divine, votre bouche à la pensée de Dieu, et de déposer cette matrice fondamentale de guérison, de création, de recréation. Mes amis, c'est extraordinaire. Donc, je lis le texte. Un texte absolument fabuleux sur ce thème justement de la guérison. Vous savez, je crois que dans la Torah, les textes sont collés les uns aux autres. Et, bon, j'en ai choisi un ici qui me paraissait vraiment génial. C'est donc Israël dans le désert, et puis au chapitre 15 du livre de Shemot. Et au verset, prenons à partir du verset 26, voulez-vous, et je le lis, d'accord? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu écoutes attentivement, en hébreu, on dit, si tu écoutes, écoute,
Hein, l'adverbe attentivement, en hébreu, on dit deux fois « écoute, tu écoutes ». Si tu écoutes, tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, donc il parle à Israël, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Qui, Ani Adonai, Rofecha, je suis l'Éternel qui te guérit. On a le même son, la même racine, Resh, le P et le He. Et on dit Rofecha, qui te guérit toi. Écoutez la suite, parce que là, ça devient vraiment extraordinairement intéressant. Ces deux textes qui se collent l'un contre l'autre. Je crois que dans la Torah, dans la Bible, les textes sont mis volontairement par le créateur de la Torah lui-même pour qu'on comprenne certains secrets et des mystères. Et les codes qu'il y place sont des codes absolument formidables. On a donc, verset 27, ce qui colle avec « Je suis l'Éternel qui te guérit », ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 12, et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Voilà un texte absolument magnifique qui colle avec la guérison. Un principe fondamental de Dieu, c'est que nous nous placions dans ce que j'apprends, dans ce qu'on peut appeler à travers le code de 12, dans la structure fondamentale de l'univers. 12, comme les 12 portes de Jérusalem, les 12 apôtres, les 12 tribus, les 12 mois de l'année, c'est une structure complète de l'univers, une structure complète mise en place par l'Éternel lui-même. Il se trouve dans un endroit, dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », et ils arrivent à un endroit où il y a 12 sources d'eau, mes amis. C'est le fondement même, le fondement, la structure complète de ce qu'on pourrait appeler l'eau d'en haut. Ils sont là-haut dans une structure totale. Il n'y a pas un moment de l'univers, pas une seconde, une fraction de l'univers qui manque à cette source. Et Dieu dit, voilà, je suis l'Éternel qui te guérit et je t'envoie là où il y a 12 sources d'eau, mes amis. Lorsque vous allez partir, lorsque le Mashiach part, il ne part pas n'importe comment, il part parce qu'il y a 12 sources d'eau. C'est totalement codé, c'est un symbolique fantastique. Il part en Israël, là, Israël qui est représenté par ses 12 tribus. C'est comme si Dieu avait dit à Israël, il y a 12 sources, une pour chacun d'entre vous. C'est le fondement même de tout l'univers qui est là. Ce qui manque, mes amis, beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas complètement convaincus de tout ce qui se produit là-haut. Et nous devons apprendre à nous connecter à ces sources divines, à cette unité totale divine. Et puis il continue et il dit, il y avait 70 palmiers. 70, c'est le cycle du temps. 7, le cycle de la création, multiplié par la valeur 10, qui est le Yod, valeur divine. 70 palmiers, 70 lieux de paix, de repos, d'ombrage, de tranquillité. C'est là que l'Éternel Dieu te dit, je colle un texte comme celui-là avec, je suis l'Éternel qui te guérit, parce que là où je te mets, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Mes amis, c'est des codes. Ce sont des codes divins. Nous devons nous attacher à ces codes. Nous devons comprendre comment nous fonctionnons. Nous devons comprendre comment le Mashiach fonctionne. Lorsqu'il vient en Israël, il sait, il le dit d'ailleurs, lorsqu'il ouvre le rouleau et qu'il ouvre ce que nous appelons, nous, Ésaïe 61, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir. Partir ne sert à rien si nous n'avons pas connecté totalement notre pensée avec celle de Dieu. Il faut savoir que dès le départ, la volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes soient en bonne santé. Sinon, le Mashiach serait venu, il aurait
laisser tout comme ça. Mais il est venu pour guérir. Et c'est pourquoi l'évangile de Matthieu commence en disant « Il parcourait Israël et les routes de la Galilée et en guérissant les malades. Pourquoi ? Parce que c'est fondamentalement le but de Dieu. Alors certains diront « Mais il peut guérir spirituellement, évidemment. » Mais nous ne devons pas nous limiter. Nous devons penser spirituellement. Beaucoup de problèmes doivent être guéris moralement et physiquement. Vous savez, c'est le but du Mashiach, de relever son peuple, de donner au monde cette solution. Mes amis, la tête, la bouche, l'unité divine, 12 sources. En lisant ce texte, je me dis, mais mon Dieu, mais je dois me connecter, je dois être totalement imprégné de cette eau d'en haut, que ces 12 sources coulent. Constamment, il est dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein, mes amis. Des fleuves, combien ? Ici, il nous dit 12 sources qui coulent à plein régime, mes amis. Ça, c'est penser comme Dieu, c'est parler comme Dieu, c'est agir comme lui. Si tu fais ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit. Mes amis, le but du Messie, lorsqu'il a quitté cette terre, il a dit... Vous savez une chose qui est très importante, écoutez. Quand quelqu'un va partir... On attend ses derniers mots, parce que ces derniers mots, évidemment, ce sont ses dernières recommandations. Et en général, c'est toujours intéressant de lire un livre par la fin, parce que j'aime bien de savoir comment ça se termine, et quelles sont les dernières paroles du gars qui va quitter cette terre, ou de la femme, ou du monsieur. Et en fait, les dernières paroles qu'on dit sont très importantes. Elles vont résumer beaucoup de choses. Et quand le Mashiach va monter, il leur donne des ordres. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les, faites des disciples, imposez les mains aux malades, ressuscitez les morts. Mes amis, 12 sources qui coulent, qui sont là, à notre portée. Est-ce que nous pouvons adapter notre tête ? Rafo, guérison. La tête, la bouche, l'unité divine. C'est pourquoi dans les lettres hébraïques, je suis persuadé que chaque lettre contient une force. Et le Mashiach étant la parole venue sur terre, j'ai envoyé ma parole, je les ai guéris. C'est ça le texte. La parole messianique, celle qu'il nous a donnée, mes amis. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de prendre, mais à vous connecter comme jamais vous ne l'avez fait, à rentrer dans cette parole comme vous ne l'avez jamais fait de votre vie. N'ayez jamais peur. Si vous, certains d'entre vous, vous prêchez, ou je ne sais pas qui vous êtes tous, mais si vous allez qu'on vous demande est-ce que tu veux prier, ne dis jamais non. Mais prépare-toi. Prépare-toi. Mets ta tête en place. Ne fais pas des prières longues qui ne servent à rien, mais ose dire à la personne « Sois guéri, parce que ma tête est connectée au Réchit. » Et si ma tête est connectée au Réchit, alors le commencement du monde s'accomplit. C'est pourquoi il est écrit « Bereshit bara Elohim et hashamayim veharetz » et puis il est écrit également « Vayomer Elohim ». Il a dit Elohim, et puis il est écrit « Vaïkra Elohim, Ior, Vaïor ». Il a crié Elohim, il a hurlé, comme le Mashiach, il a crié « Lève-toi ». Mes amis, il faut que vous compreniez ce que je dis. Je suis tellement déterminé ce soir à vous dire « Ayez le courage, prenez votre foi à deux mains et construisez-la sur la source fondamentale. » On ne construit pas, beaucoup de gens ont construit leur foi sur la doctrine. Ils ont construit leur fondement, leur matrice à eux sur la religion, sur la dénomination. Mais moi, mes amis, je vous dis, ces choses-là, je n'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est de me connecter à la matrice céleste, d'adapter ma tête et ma parole. C'est pourquoi lorsque nous sommes partis dans les nations et que nous avons visité des foules de gens, vous lirez le livre, vous verrez, je raconte un peu toutes ces expériences.
Nous avons vu des miracles instantanés, des aveugles voir, des sourds entendre, des muets parler, les enfants boiteux se lever. Nous avons vu des démons partir dans des situations mais incroyables. Je ne me posais même plus la question. J'avais tellement construit ma tête. Avant de partir pendant des années, je fermais les yeux, je prêchais seul devant des foules inimaginables, inimaginables. Et je me disais, mais quand je serai là, ce sera comme ça et pas autrement. Et lorsque les choses se sont produites, ma foi était arrivée au niveau où je pouvais penser ce que Dieu pense, dire ce que Dieu dit et faire venir cette guérison et cette matrice extraordinaire. Vous savez, quand la matrice céleste nous enveloppe, nous enferme en elle, elle a un pouvoir de nous réconforter, un pouvoir de nous, j'allais dire, de nous consoler, un pouvoir de nous transformer, un pouvoir de nous guérir si nous sommes malades, un pouvoir de transformer nos tristesses en joie. Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». C'est-à-dire, pourquoi Dieu dit ça? Il dit « ne dis pas le contraire de ce que je dis » parce que la guérison commence par le « resh », continue par le « pé », la bouche et termine dans le « aleph », l'unité divine fondamentale. Mais mes amis, c'est pourquoi les lettres hébraïques contiennent la puissance divine du monde, de l'univers entier. Je suis ce soir complètement déterminé à vous parler de ces choses. C'est absolument extraordinaire. Comme nous sommes déterminés à nous accrocher à cette parole. Les lettres hébraïques. Nous aurons l'occasion de reparler d'encore d'autres mots plus tard. Où nous allons voir que chaque mois son poids de gloire divine. Chaque mot nous révèle la nature de Dieu. Chaque lettre nous révèle le secret de Dieu. C'est pourquoi le Mashiach n'avait peur de rien. Vous avez remarqué que le Mashiach Yeshua n'a jamais rien raté. C'est extraordinaire. Il n'a jamais rien raté. Pourquoi? Parce que la tête ne doutait pas, mais une fraction de seconde, mais pas un milliardième de seconde, de qui il était et qui était le Père. J'aime cette phrase du Mashiach, lorsqu'il dit « Je ne fais que ce que je vois faire, je ne dis que ce que j'entends dire. » Il n'improvise rien, rien, mes amis. Ce qui est écrit dans cette parole, dans cette Torah, quand je prends cette Torah dans ma main, que je la lis, quand je la lis, et je vois chaque mot et chaque lettre, et entre les lettres, même entre les lettres, les rabbins vont même jusqu'à nous dire, mais c'est fabuleux, mais tellement vrai, que même entre les lettres, les blancs qui sont entre les lettres sont irradiés de la lettre elle-même. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager, ne jamais vous décourager. Mes amis, je ne sais pas ce soir, j'ai dans mon cœur, c'est ici en moi, je dois vous dire ce soir, ne vous découragez jamais. On me demande quand est-ce qu'ils font faire l'onction d'huile. Eh bien, la Bible nous enseigne que les disciples partaient parfois avec faisant, ils éloignaient d'huile les malades. Et puis dans l'église, parfois, on dit que les anciens se rassemblent, qu'ils prient, enfin c'est tout un autre enseignement. Mais parfois, nous prions simplement comme ça. À d'autres fois, on est poussé parce que quelque chose nous dit de le faire. Voilà, on est poussé à faire l'onction d'huile. Mais en sachant bien que l'huile, c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est le symbole même de l'unité de l'Esprit de Dieu fondamental. C'est pourquoi nous constatons que dans la guérison et dans l'imposition des mains, il y a plusieurs points différents. Il y a le commencement, le projet, il y a la parole, Vayomer ou Vaikra, et puis il y a le texte, et l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit, et tout le monde sait que le Ruach, écoutez bien, le Ruach, c'est l'Esprit du Mashiach. Même tous les rabbins, s'ils sont vraiment honnêtes, ils vous diront, le Ruach, c'est l'Esprit du Mashiach. On nous a dit pendant un temps, peut-être on vous l'a dit, que le Ruach était un mot féminin. Donc évidemment, je me suis dit, c'est étrange quand même. En réalité, ce mot Ruach n'est pas féminin, il est
pas que féminin, il est à la fois masculin et féminin. Il a les deux ensemble. Si vous regardez dans un bon dictionnaire hébreu et que vous regardez ruach, vous allez voir à côté masculin, féminin. C'est un mot qui a les deux forces. C'est la capacité de venir pour déposer la semence et en même temps pour faire naître la chose que Dieu veut qui existe. C'est cela qui est très, très, très important. Maintenant, parlons, pour terminer, parlons un peu simplement de l'imposition des mains. Vous vous souvenez que dans le texte, de l'Exode, je parle du texte, qu'importe la référence, vous la retrouverez dans les cours que j'ai donnés, sur Yehoshua, c'est-à-dire Josué, où Dieu parle à Moshe et lui dit tu poseras la main sur Yehoshua. Et puis, ce que je vous avais fait remarquer à cette époque, quand je vous ai parlé de cela, qu'en fait, Moïse n'a pas posé la main sur Yehoshua. Il est écrit que Moïse posa ses mains. Il posa les mains sur Yehoshua. Donc, il y a deux choses qui se produisent dans l'imposition des mains. Une qui représente la main de Dieu et une qui représente la main de Moshe. Et lorsqu'il va mettre ses deux mains, mes amis, ces deux mains, regardez bien, deux, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous retrouvons la valeur du 10. Et c'est quoi 10? C'est la lettre du mot, du nom divin, qui signifie puissance, pouvoir, domination, yad, la main, 10. 10. Si vous regardez comment vous êtes construit physiquement, certains diront, mais c'est encore de l'exagération. Moi, je ne crois pas que c'est de l'exagération. Je crois qu'on a été conçus littéralement à l'image de Dieu. Il y a quelque chose en nous totalement divin. Nous avons 5, notre corps est comme un tronc, comme un vav, et nous avons 5. 5, vav, 5 égale 10, et c'est l'image du divin. Vous imposerez 10, vous imposerez les 10 sur le malade. Et le malade sera guéri. 10, la matrice fondamentale, mes amis. La matrice fondamentale. Resh, P, Aleph. Sois guéri. Va et sois guéri. Ne te pose pas de questions inutiles. Ça ne sert à rien. Travaille ta tête, construis ta foi, éduque ta tête, éduque ta bouche et descends avec la matrice fondamentale, l'image même du divin. Mes amis, n'ayez pas peur, je vous le dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, jamais. La guérison, vous obéissez, vous travaillez la tête, le reste, c'est les affaires de Dieu. Nous ne ferons jamais ce qu'il peut faire. Nous ne faisons que ce que nous devons faire. Il nous demande de faire. Et ce que nous ne faisons pas, il le fait. C'est pourquoi Resh, P, Aleph. Et on dit cela, et cela, c'est Rapho, guérir. Rapho, guérir. Il y a ce fameux chant qui dit Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Mes amis, c'est un de ces noms. C'est-à-dire que c'est un de ces noms. Je suis Ani Adonai. Qui Ani Adonai Rofecha. Car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. C'est son être. C'est sa volonté. Est-ce que vous savez que le mot ratson, ce qui veut dire sa volonté, et Shmi, je crois c'est Shmi, son nom, mais c'est à vérifier, mais je crois que c'est ça, c'est deux mots qui ont une valeur similaire. Sa volonté et son nom, c'est deux choses identiques.
sa volonté, Ratson, et son nom, deux mots identiques. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas. Je dis toujours aux gens, lorsque je vais prier pour eux, s'ils me demandent de prier, ou lorsqu'il y a un malade, ces derniers jours, nous avons fait la navette avec l'hôpital, voir ce monsieur. Et je disais aux gens qui étaient là, ils étaient incrédules. Mais on est arrivé avec la foi. On a dit, dans cette pièce, on ne veut pas d'incrédulité. Tous ceux qui sont négatifs, sortez de la chambre. Je vous dis la vérité. Mon épouse et moi, on leur a dit, allez, tous les négatifs, tous ceux qui ne croient pas, sortez. Sortez, laissez-moi, laissez-nous. On est resté avec une, deux, trois personnes. Et je leur ai dit, et mon épouse, nous leur avons dit, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Mais qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon, mes amis? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Et nous, qu'est-ce que nous avons à perdre? Les lettres de mots refait, guérir, guérir, rafo, guérir. Le médecin refait, il est le grand médecin, le grand guérisseur. Alors la Marie me demande, pour notre propre guérison, est-ce qu'on impose les mains à nous-mêmes? Mes amis, je te dis, mets ta main sur ta tête et proclame ta guérison, mais crois-le de toutes tes forces. Adapte-toi à Dieu. Adaptons-nous à Dieu. Adapte ta tête à Dieu. Ah, mes amis, ça c'est un message à la fois, je dirais, extrêmement disciple du Messie, et à la fois extrêmement thoraïque, parce que ces mots hébreux ont une force en eux, mais qui nous révèlent et qui nous disent, mais voilà ce qu'est la guérison. Voilà comment nous pouvons agir. Mes amis, rafo, guérir. Rafo, guérir. La tête, la bouche et la matrice fondamentale, l'unité. Les 10 doigts de nos mains, le Erad. Mes amis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en quelques mots. J'espère que je peux vous encourager à ne jamais abandonner. N'abandonnez jamais. N'écoutez pas les gens négatifs qui vous disent « c'est pas toi, c'est pas pour toi ». On m'a dit pendant des années, lorsque j'étais très jeune, « c'est pas pour toi, c'est pas pour toi ». Ah non, 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 mes amis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pour moi, c'est pour moi. Évidemment que c'est pour moi. Et quand on m'a dit « tu n'iras pas, tu ne le feras pas », j'ai dit « je le ferai et je crois que je réussirai ». Que Dieu vous bénisse tous, soyez ne jamais découragés, et maintenant réfléchissez à votre tête, réfléchissez à votre bouche, réfléchissez à votre unité en Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Et nous...